Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Life. Je suis très ravi encore une fois de plus devant vous en ce vendredi à 14 janvier 2022 où nous vous présentons encore un nouveau numéro, toujours dans le cadre de la réflexion d'apport, notre apport pour la reconstruction de notre pays. Bandeko. Dans cette émission, c'est la suite de l'émission que nous avions commencé au courant de ce mois-ci, où nous parlons de la gestion de notre pays. Ce média ici, ce n'est pas un média d'analyse de faits qui se passent. Beaucoup de gens me posent des questions, qu'est-ce que j'en pense avec les scandales, tout ça. En tout cas, si vous êtes là et si vous êtes fidèle à cette émission, le genre de questions ne cadre pas avec notre objectif. Ce genre de questions porte mon point de vue sur l'actualité et souvent je le fais dans le cadre de quand je suis live, donc quand je suis je fais le live sur Facebook ou bien sur Instagram ou bien sur Twitter, où il y a des parties où nous commentons l'actualité. Mais dans ce cadre-ci, nous apportons la solution. Nous parlons de la solution que nous sommes convaincus qui restera, que nous pensons que si cette solution est appliquée en République démocratique du Congo, nous pensons que le pays peut voir une lueur d'espoir où le développement pourra maintenant commencer. Tant que le pays est encore en train de s'embourber, les dirigeants sont en train de s'embourber dans des réflexions, et les médias aussi s'embourber à analyser les petits faits sans apporter les solutions, sans proposer de qu'est-ce que la solution globale et la solution que la République démocratique du Congo a besoin. Moi, je crois que nous serons tous simplement en train de pérorer et de tourner en rond. Donc, pour les amis qui me posent souvent la question sur l'actualité, quel est mon point de vue? En tout cas, je suis désolé parce que nous ne commentons pas l'actualité ici, mais nous essayons un peu de parler de cette solution. Qui est la gestion? Qu'est-ce que nous pensons? La gestion de notre pays. Quelles sont les mesures que nous pouvons prendre afin que nous puissions terminer la corruption? Nous puissions mettre la bonne gouvernance. Quel est le système qui nous convient? Et notre conviction nous oblige à vous dire que la gestion à la base est la seule méthode qui peut nous faire sortir aujourd'hui de cette marasme économique dans lequel nous sommes, la gestion calamiteuse, et puis les scandales du jour au jour. Avec une bonne gestion, avec la nouvelle conscience, avec la nouvelle constitution, avec la nouvelle configuration du pays, cela permettra d'éliminer pratiquement tout ce qui n'est pas bon, et nous aurons en tout cas à 90% la chance à ce que le peuple puisse se retrouver. Dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons parler des dirigeants. Comment est-ce que nous allons choisir les dirigeants qui devront tenir les états de lieu des territoires? Quels sont les dirigeants que nous avons besoin? Nous parlons de ça dans cette transmission. Et si nous avons le temps, nous aurons aussi à développer le sens de la convocation, comment est-ce que ça sera fait et comment est-ce que nous aurons, combien de personnes allons-nous avoir là-bas. Et tout ça, nous allons parler dans cette émission. Mais avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet. Les dirigeants qui devront, disons, les personnalités qui devront être parmi les gens appelés aux états de lieu des territoires. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com.
Ituri, 4 civils tués dans une attaque rebelle à Sabaïdo. Et puis, urgent, Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, président AI de l'UDPS, démissionne à la vice-présidence. Nous allons sur actualité.cd. Mbosso aux militants de l'UDPS. Cette année est une année préélectorale qu'on ne nous ensorcelle pas. Ouvrons les yeux. Et puis, avant sa démission, Kaboun avait déjà fait l'objet de plusieurs remarques au plus haut niveau. On va sur un Congo profond. Assemblée nationale, toujours Kaboun n'a pas démissionné de ses proches, parle d'un piratage de son compte. Et puis Kinshasa, une femme blanche est retrouvée morte dans sa chambre de l'immeuble Rwindi. On va sur 7 sur 7. Tshisekedi a présidé le premier réunion du comité politique pilotage du programme de développement de la, à la base de 145 territoires. Et puis, Chinchard de la Namibie, le stock est disponible jusqu'à la fin du mois de janvier. Ça, c'est le gouvernement qui parle. On termine par Radio Okapi. Kinshasa, Asbel Zibou, la Meso exige la le transfert du dossier Bukangalonzo à la Cour de cassation. Ituri, 4 civils tués à Djougou à la suite d'une incursion de Codeco. Merci, on se revoit demain dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez remarqué, donc l'actualité tout tourne autour de la. On commente toujours, on commente des faits que nous connaissons tous, mais les journalistes et tous les mêmes les médias, même les émissions, les grands journalistes que nous savons à Kinshasa et beaucoup dans le pays, quand vous lisez les journaux, vous allez voir que tout tourne autour de qui a fait quoi, qui a fait ceci, qu'est-ce qui a fait ceci, on a corrompu l'autre, ceci ne marche pas, les routes ne sont pas construites, mais on ne parle pas de la solution. C'est ainsi que nous nous sommes dit, c'est ça le gap que nous voyons, que nous allons parler de la solution, des solutions qui doivent animer les dirigeants d'aujourd'hui. Comment est-ce que nous allons nous choisir nos dirigeants qui appliqueront cette solution dont la République démocratique du Congo en aura besoin? Alors, nous devons nous poser les questions. Comment engager un programme simple, compréhensible et réalisable? Les dirigeants, comment est-ce qu'ils peuvent avoir un plan qui est simple, que tout le monde peut comprendre? On dit souvent que quand les gens ne sont pas à votre niveau, essayez un peu de vous rabasser au niveau de la population et puis leur expliquer, mettez-vous à leur place. Regardez comment est-ce que nos juristes sont en train de nous embrouiller avec des litanies, de la constitution est faite comme ça, il y a eu la démocratie, des gros mots. Parfois que le simple citoyen se perd, il se dit finalement, tozo kende wapi. Bater me haut bas intellectuel na biso ba le baka et tant que vous êtes comme abiso na maturité tout ka kaka oh non démocratisation oh implication donc de termes lourds qui n'ont aucun sens pour la population. La population peut mener à son peut sa bango ba confiance on a koloba que non ba konzi na biso ba ngwana mtu ba konsale na biso makambu ba konzi ango ba zo profiter na ignorance à peuple pour que va s'enrichir, va continuer à maintenir le peuple dans l'esclavage économique, l'esclavage, il y a passé et tout. Donc, comment est-ce que nous pouvons démystifier les fonctions du président de la République? Toko démystifier comme on est, que ça ne soit pas un truc où tout le monde veut être président de la République. Tout le monde veut travailler à l'Assemblée nationale. On est où t'as kawa puis bandeko. Et où t'as kaso qui n'a pas bu l'eau qu'on puisse mon côté semer. Parce que les dirigeants a volé, a fait un système à ce que aza koyi la population, aza koyi le peuple, aza wana il n'est pas là pour la population. Tant na yango yango. Il faut à maximiser Ango. Maximiser de faire quoi? Maximiser de voler. Il y a qu'on y va, il y a qu'on se remplir les poches, il y a qu'on bongisa vie naïe.
Bon, kaka bino mon kwata ba journaliste mususu o na ba législative parce que o ba ne koloba. Bino mo kanisi kabila ya ki wana po bongise la bino mboka. Moutou la moutou fo se debrouye se detal de et ces gens là sont arrivés au parlement. Tomona kaba tomoni na na législature OP ba de ba député mususu o bazala ki eli ou bien choisi oyo qui ne font absolument rien, ce sont des têtes vides. Bandeko système autozana katiza système mabe. Nous devons changer ce système. Dino konyo sotozana ango eza ko simba te ko simba kapete. Mutu na mutozo bunda po abongi sa vie na e qu'est-ce que je gagne? Oh nini na sali na sakosala nini po ngape na somba ndako na kosala nini po ngape famille na ngape na banda koza na musala. Donc na kosala nini po na koma député? Il y a des gens qui vendent leur parcelle bah, il dit que non, il faut qu'on soit en bongo pour qu'on soit en député, parce que si on est comme député, on soit en influence, on soit en accès, il y a qu'on soit juste un bongo belé. C'est pour cela que comment on a la campagne au Tozo Kende Awa, le président de la République doit faire beaucoup de choses ou à cause ça que Azan Ambongo na kati poche pour ça la campagne na et même les gens qui vont concourir au comment na bazana ba moyen te au président ko sala même le président Azan en action pour à ça la pour ça la campagne bon on ko yebi sangai mutuni na zala ki na mbongo ko le capé perdre na magistrature passée. C'est le système dans lequel nous sommes. Maintenant, l'intellectuel d'aujourd'hui, est-ce que nous réfléchissons comment on consigne ces locaux? Nous tous un pouvoir, je parle ici de Félix Tshisekedi. Est-ce que Batounaye, Bazak, tout aux alentours de lui, Bazak réfléchit comment est-ce que nous pouvons terminer cette situation? Est-ce que ma solution auto-amenée pendant 3 ans, est-ce qu'elle est portée mini? Qu'est-ce que nous devons changer finalement pour que Tobzwa Mboka Totia Mona direction Moussousou? C'est là la question, c'est là vraiment la question majeure. Oh, il faut Totoloba, Tosala, Tokosala, Ndengenini. Qu'est-ce qu'il faut pour que Batou, to changer régime, to kotana régime, oh, Batou Bakozala, exactement tout le monde, Azala na idée que non, pona kobonga, pona kosala musala, il faut zala député. Même ma misala à l'état de comment n'a moka kané mwana. Regardez comment est-ce qu'on a désacralisé musala ya kisoda, musala ya soda. Travailler au gouvernement, travailler dans le ministère ou quoi que ce soit, ils ont un autre côté, ils ont un impact, sans que si tu n'es pas dans une branche ou aux ana mangeoire, c'est-à-dire que place au mbongo zalaka. Il y a un moment où on a battu un sous qui va nommer un ministre des Affaires dans le département agriculture, comme il dit tout à l'heure, à quoi il y a un autre côté. Il y a un autre côté dans la législature ou dans la législature passée. Donc, nous sommes dans un moment où nous devons prendre la solution. Bandeko, moi je me dis, dans un tour dans la lobby, après le scandale, qu'est-ce que nous devons attendre de notre chef de l'État? Le chef de l'État est là. Batounous Obazolo, chef Akosala, chef Akosala. Et lui-même se trouve dans un cracas où il ne peut pas bouger. Bon, mon akibi no moko ba scandale, wane zako kende bozo kende. Le chef de l'État, Akosala, pe loko, mon kote Akovanda Kimia, le sanction mon kote. Et ça, dans le fin fond du citoyen congolais, Tozako Zela, chef Akosala, skonde yoni. Il va faire quoi? Après ma scandale, à l'obi nini, à kendaki na kasa ya mona ki ke lokuna projet tchile jenge salemite, mais à l'obi nini, à sali nini, tout le monde est en train de poser cette question-là et on attend à ce que le président fasse quelque chose. Bandeko, et loko wana ya wana to zinge to bonga, to bongisa plutôt. Et loko wana to longola wana makanisi ya peuple. Le peuple ne doit pas toujours comprendre abandaka ko s'attendre que non mon konzi même to ko sala boy mon konzi même to ko zwa décision. Il est grand temps que mon konzi a implémenté l'inverse, c'est-à-dire que le peuple doit agir.
quand il y a quelque chose, le peuple doit arrêter. Balobi awa mutuaya saiba qui peuple malamoko ayebi te mettre ba mécanisme que ce qui déjà ba rumeur publique s'est levé. Nous devons prendre nos dispositions que nous battons comme dans la course à la boue. Mais pour tout comme on a si quoi, c'est ici où je suis en train d'expliquer maintenant le vif du sujet. Il y a un mot qu'on a dit, il y a autre tout le Bandeko, nous avons dit que le peuple doit diriger à la base. Base des fois à la pouvoir. Nous avons parlé ici de 145 territoires. Bandeko, les sous-bassements, il y a peuple congolais, peuple zanani, et sa population za yonangaye. Mais tous ont regroupé na kati ya ba tribu na biso oyo ba tribu na biso patrimoine na bango za mabele na bango. Nous avons 26 provinces. Nous avons 145 territoires sur le plan géographique kakande ya mwana na zo kloba. Et dans les 145 territoires, tous ont à peu près une affaire à 140 et à 450 tribus. Qui est répertorié Bandeko, l'histoire ici, le Belge nous a laissé tous les documents sur place. Nous pouvons retracer les tribus dans chaque territoire. Chaque territoire est dans la tribu. La tribu est évanouie dans Mabele, dans Bango, Mabele, dans Bango, dans Wapi. Dès que nous allons reconnaître ça, c'est là le chemin qu'il faut prendre. Tout reconnaître Yango, parce qu'à ce moment-là, tribalisme kozalate, tribalisme zanini, tribalisme eza vis na katia unitarisme. Le tribalisme ne peut pas exister là où les tribus sont en valeur. Tribalisme kozalane yeni. Ba toza ko ebisandai, non, yoza tribaliste. Je ne suis pas tribaliste. Je n'emploie pas les bananes dans mon entreprise. Ba tozo sala na bango ebele baza kutu banane te. Vous allez me taxer de tribaliste comment? Donc, nous allons avec les états de lieu de territoire. Dans l'état de lieu, on a la première des fonctions qu'on a là. Le président actuel, qui a le pouvoir avec cette constitution qui nous donne aujourd'hui tout le pouvoir, c'est celui-là que moi je suis entré, qui doit réveiller. Il faut avoir le courage. Tout le monde, surtout, va voir le bas. Président a mis une phase à courageux pour apprendre des mesures sévères. Ma mesure sévère salutaire et ça que de ma parlement, qu'on changeait, qu'on proclamait un autre état, les 4e république, autre côté en anglo, en commençant par la réécriture d'une nouvelle constitution. Constitution n'a mis une coquille qu'on a la compliquée. Je vais vous rappeler une chose, Bandeko. Awa. Un pays, on ne le dirige pas avec le bon sens ou les idées que non, Biden a dit ça, et non, Moutouana a la bonne volonté, Moutouana a penza c'est lui qui. Non! Nous devons. Regardez la loi. La loi, on a mis tout au respecter. Maintenant, pour arriver à faire respecter la loi, il faut que les gens se mettent ensemble. C'est pour cela que nous disons, répertorions d'abord
peuple congolais, selon leur tribu, tous les nos statistiques n'a bien sûr combien. Et c'est là le travail des états de lieu de territoire. La première des choses que ça là, batouana ba vendi na territoire, ba vendi ba lobi, ok. Ah, on a territoire où tozala na combien de tribus? Oh, na territoire où tozala na 4 tribus, ok. Ba notable ba tribu wana baza wapi. Ba notable ba tribu wana ba chef ya groupement banani wana baye. C'est comme ça que je me suis dit, dans les 145 territoires, ceux qui tozala na 145 territoires, et que nous avons à peu près approximativement 450 tribus, et ça subdivisé dans 4 26 territoires, il y a 145 territoires. Chaque territoire va coller combien de tribus bazalaka. Ainsi, les notables de chaque tribu devront venir dans 4 conférence. Ils viendront s'identifier, notamment par le chef coutumier ou le coutume d'abord. Et puis que non, tu as dit que tu as 4 chefs coutumiers dans la tribu de Bissot, tu as 5 chefs coutumiers dans la tribu de Bissot, tu as dit que le chef coutumier va se mettre d'accord avec le banon. Dans la tribu de Bissot, nous connaissons nos leaders dans la tribu ou dans le parlement ou dans le sénat, tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est là où il y a naissance du pouvoir des Congolais. Place où on a le pouvoir à Congolais et outils. Et tant que nous ne remettrons pas le pouvoir à ces ayants droit de ce pouvoir-là, il y a que ça le makate. Alors, Batouane Nakati Aba territoire seront se regrouper, je me suis dit, 250 personnes pour élaborer, pour aller Nakati Aba. Il y a même distribué dans le territoire pour que ça la guide. Il y a Batouba réfléchir afin de se mettre d'accord pour obtenir une équipe d'identification. Comment l'identification sera faite? Territoire par territoire et tribu par tribu. Selon les tribus. Et ça la balangue que qui soit une autre chiluba. Non, selon les tribus, n'a dit que na baluba, ça na babana kemba, suki na banana banana ni kuna bazali. Et ils ont leur leader et ils ont leur bazana ba notable na bango o baza koni. Batuya soki ya nani dans le baluba ils savent ba yini. Bino kwana tokoki ko négliger en côté. C'est Batouana pour que nous ayons une nouvelle classe politique, effectivement, c'est ça. Alors, toujours, on a pour nous renouveler la classe politique, la nouvelle manière à diriger Mboka Oyo. Alors, Bapage Otozan, le projet que nous avons ici, dont je vous explique petit à petit, que nous allons participer à la conférence à territoire, ils vont discuter sur la sécurité, ils vont discuter sur l'identification. Qui seront les responsables de cette identification? Et c'est facile à le faire. Quelque chose qui est facile à faire et que nous pouvons tous comprendre, ça ne sera pas difficile à réaliser. Mais ezo senga kaka courage à mokonzi o yaza lelo ya koloba bandeko pour obtenir la paix, recommençons à zéro et rebâtissons notre pays sur une attente consensus na kati ya ba territoire ba yeba to yeba nani ya sala kanini na kati ya ba territoire. Et pour y arriver, nous devons arriver à réunir les 200 ou les 300 personnes on a kati ya ba territoire. Ba 300 personnes on a ba kovana na kati ya ba territoire na bango ata na CNZT ba twana ba vanda kuna ba loba nini économique. Moi, c'est qu'ils ont leur force économique et ont kakawapi. Est-ce qu'ils sont capables à engager par exemple 500 personnes dans 4 administrations dans bango administration si que constat le mandenge ni bazui ba agreement consensus na kati kuna balobi biso awa ba soda ba auto ba po soda aya ko sala musala awa voici les choses qui devraient faire. Alors na kati ba territoire on a ba memo wana ba tu ba ko réfléchir wana c'est ça la nouvelle constitution, la république batouana bako désigné si kolo batou kolo bako tinda na région les gens qui iront les représenter au niveau de leur province. Et chaque province au commun la province exactement sous la 3 8 yo ezana mingi ba province na biso ezana mingi ezana ba 8 territoires.
nous sommes à 4 territoires, nous sommes à 3 territoires, nous sommes à 7, 8, 8 territoires. Bango si koba ko sangana, ce qui bo désigner 20, 20, 20, 20 par territoire, bo komona bo komi 60 na 4 ya province. Bako réfléchir et ils vont commencer. Et donc, bato bako outa territoire pour aller en province, ce sont déjà les profils, leur profil sera déjà connu que nos batou, oh, ils n'iront pas pour chercher l'argent, mais ils iront là-bas pour réfléchir. Il y a ça là-bas commencé, il y a constitution à Sika Otozo Lingato Sala. Ainsi, bango moko kuna ne mtu bako kiko benga bana na bango, chaque tribu bako lo babandeko, biso banande ou bien na batembo na kati ya territoire oyo, so ki tomoni mtu asali boye aza or la loi, biso toko kangaye, voilà, toko jige a wako kende su Kinshasa te ou wako kende su Goma te, a wako kende, il sera jige ici et nous chargeons à appliquer ba sentence o toko sala to kuta na bato ba rebelle o ba tunu o ba ko s'opposer na ba résolution ya territoire na biso na ndenge to kozala a na kati ya territoire na biso. Ainsi ba résolution de kokene na province province sikoyo ba twana na bango pe ba ko réfléchir tango ba twana ba ko réfléchir ba ko vanda ba lobi a bo le ba kinina a ba lobi bo konnase ona nde sikoyo eto na assemblée nationale na ba province nyoso ba kutani soki tozalaki 300 na kati ya ba ensemble na ba territoire tokomi par exemple na province tokomi 60 nous n'enverrons pas tous les 60 na nani na biso moko sikona 60 ona na kati ya ba territoire na ba kati ya ba province chaque province ko tokoloba non nous avons besoin de 10 personnes autokotinga na ensemble nationale ba 10 personnes anende bazakozala ba élite ya la société na biso parce que nous aurons déjà batoya ya confiance autokotinga na province siko batu ba kokuta na kuna ba élite à chaque tribu na ba élite à chaque tribu na tokoloba non batu il faut makene na assemblée nationale voici ce qu'ils doivent être comporté. Pourquoi? Quel est le travail qu'ils vont faire là-bas? Ils vont faire ABCD. Est-ce que nakati na biso awa batou baza capable ako sala misala wana tokoyeba na bako postuler? Ils vont se défendre que non ngai boye na bo devant cette assemblée là ya ba province. Province neko décider siko bango kuna bakotinda bango na parlement ya le parlement ya national où ils iront faire le travail de condenser maintenant ba texte nyoso pour na ko sala ko mettre texte moko le e ko za la soumis na référendum ou e ko za la nani notre nouvelle constitution na biso asika c'est comme ça que nous prévoyons que botama alors babino ko na nyoso e ko za la réfléchir déjà à la base. Pendant ce temps-là, ma cambo administration à la base, comment les finances à la base seront gérées? Babino, quand on a eu autant que tu as commencé en gros, et comme en République, tu as dit, si c'est quoi le béco lui conduit à Sika, donc la nouvelle constitution, qui nous fera entrer dans la 4e République? Ne place pas la bise aux autres, on a tous qui. Place on a à ce moment-là, nous allons nous désigner maintenant, ok, l'élection qu'on a l'année dernière. Pendant ce temps-là, l'identification qu'on va laisser est salement. Et ne vous en faites pas, cette idée, nous pouvons le réaliser dans moins d'une année. Ceux qui volontaires Zali. Et donc, toujours Sengakaka Mokonzi, Oyazana Sika, Félix Tshisekedi, Azwa Courage, Yakoru. Yako s'engager sur cette voie-là. Notre pays, les territoires, les 145, le projet n'a mis 145 territoires. Exactement, que ne peut ça 10 millions kuna na territoire. Non, Bakosala na ngonini. Mais le projet majeur que vous devez avoir, n'a pas eu sa cabine. Autrement, qu'est-ce que nous pouvons faire, ceux qui, Makambo et 145 territoires, plan B nango. Il y a un autre qui est celui la semaine prochaine, plan B. On a vu que ça nous a plan A pour la nouvelle classe politique. La troisième classe politique sera maintenant, deuxième nouvelle classe politique. Plan B
Ezali reconstruction. Comment nous allons faire la reconstruction du pays et que nous développerons la semaine prochaine à partir de lundi. Voilà, mesdames et messieurs, messieurs. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Surtout, bato bazako s'adhérer, bazako continuer kolanda landa biso. Vraiment, na ko remercier du nom. Semaine prochaine, toko kota comment les reconstructions mboka na biso. Comment on va reconstruire le pays par des projets qui seront réalisés par le peuple à la base. Alors, si vous êtes là pour la première fois, je vous demanderai si vous avez aimé, laissez-nous un commentaire. Vous êtes obligés de vous abonner. Mais laissez un commentaire ou bien des suggestions si vous en avez. Mais nous parlons surtout de renouveler la constitution et d'entrer dans la 4e République. C'est ça notre objectif dans cette émission ici. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de plus. Pour ceux qui, je n'ai pas encore souhaité le vœu le meilleur pour le 2022, je le fais maintenant. Bonne année. En tout cas, nous sommes encore au mois de janvier. Que cette année puisse vous apporter force et vitalité et que ma projet Nabino Obokani Bokosala Bosala Yango. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.